Nintendo. Tamela. Ai! Ué! Ué! Allez, salut tout le monde! Je vais introduire sur cette superbe vidéo. Introduction, justement. Je vous retrouve aujourd'hui manette GameCube en main pour un superbe jeu sorti sur GameCube. Sorti sur GameCube, et pourquoi je vous fais ça maintenant? Simplement parce que il y a le prochain Mario Tennis qui sortira sur 3DS. Je vous le dis d'avance. Par avance, je vous ferai pas de vidéo 3DS. 3DS, je l'ai plus, c'est terminé. Voilà, je le dis, way fort. C'est bon, j'ai bien profité du Mario Kart, machin, maintenant c'est bon quoi, je l'ai vraiment limite racheté pour le Mario Kart, la DS, parce que elle m'intéresse plus, les consoles portables en général ça m'intéresse plus, je prends plus du tout de plaisir, même les consoles Nintendo hein, pour vous dire. Donc voilà, je suis très content sur mon Mario Kart Wii, et là je vous fais un jeu GameCube, et ça c'est bon, ça fait plaisir, manette Nintendo GameCube Silver s'il vous plaît, pour jouer à... Donc il y a Mario Power Tennis, hein. Édité, développé par Nintendo et Camelot, qui ont fait aussi des versions GBA qui étaient plus portées sur les RPG, Mario Golf, Mario Tennis, un petit peu. Bon, Mario, de toute façon, cette licence a eu un peu tout en bouche, hein, du baseball, du tennis, du golf, du foot, sur GameCube, et oui, on a eu du foot, ouais. Mario Tennis, c'est pas le premier, il est sorti sur... Il y a eu Mario Tennis sur Nintendo 64, qui était génial. Et cette version de GameCube est un peu plus complète, graphiquement forcément ça suit derrière, et gameplay parfait, quasi parfait, puisque rien n'est parfait, avec la manette GameCube en plus ça se marie super bien, mais de toute façon tout se marie avec cette manette. C'est vrai que bon, elle fait un petit peu plastique en main, le bruit des gâchettes, bah merde je vous ai passé l'introduction, mais bon c'est pas grave. Mais bon ça reste quand même une manette de premier choix. Alors on est parti, voici les menus du jeu, c'est une review, mais on va dire que c'est une rétro review, on va pas dire que c'est une rétro, parce que c'est pas un jeu assez ancien, mais c'est pas un jeu tout récent non plus. Alors on a les options, on s'en fout un petit peu, les résultats, donc ça c'est les résultats en match d'exhibition, par exemple en cours gadget, en expert j'avais fait ce match là, ouais, en standard, ouais, bon. C'est un petit peu les statistiques j'imagine, hein. Jeux spéciaux et tout, je vous en parlais, jeux spéciaux, tournoi, exhibition ou continuer à jouer, ouais, ça c'est des sauvegardes, bon bref, c'est un peu spécial, ça fait vraiment un vieux menu 64 encore, j'aime bien. Alors jeux spéciaux, on va commencer par un match amical, exhibition. Alors, le choix des personnages, je pense qu'il y a des persos à débloquer, mais j'ai rien débloqué parce que je vais vraiment pas avancer dans le jeu. Je l'ai acheté en super bon état, un petit peu cher d'ailleurs parce qu'il était quasi neuf. Après, voilà, j'ai pas énormément joué. Alors, on a Mario, Luigi, là c'est par paire, hein. Peach, Daisy, Waluigi, Wario, Yoshi, Koopa, Diddy Kong, Donkey Kong, Boo, Mask, Bowser et son fiston. On va prendre Diddy Kong, parce qu'on est sur Donkey Kong en ce moment. On va jouer en double, allez, on va jouer en double. On va prendre Diddy et Donkey de notre côté. On va jouer en intermédiaire, vaut mieux. Et on va se mettre contre... Allez, Mask et Boo. Alors, je peux régler à chaque ordinateur son niveau de difficulté, même à votre coéquipier. Jeu jouable en multijoueur à 4 et j'en passe. Alors, voilà les cours. Donc on a le Dome Peach, donc c'est classique, sur du bleu comme ça, bon bah on le voit, hein, hop. Ça c'est de la terre battue, Dome Peach terre battue, Dome Peach gazon, et après on va tourner sur des espèces comme des circuits en fait, de Mario Kart en fait. Hein. Place Delfino, Usine Wario, Mega Bloops, en fait c'est des terrains qui vont être spéciaux. Je vais vous montrer par exemple la Place Delfino, tirée de Mario Sunshine, et vous allez... avoir le choix entre court gadget, donc là par exemple j'ai pas le choix, c'est un court gadget, mais si je prends un court comme ça, on a le choix entre bataille d'objets, donc c'est un peu à la Mario Kart en fait, je vous montrerai après, défi, anneau et le standard, juste du tennis classique. Allez, place Delfino en court gadget,
Ensuite, vous avez le choix entre activer la super frappe ou pas. Donc ça, c'est... Je vous l'expliquerai, je vais vous montrer après. Bon, je vais... C'est la super attaque, en gros. Le nombre de sets, le nombre de jeux. Et les équipes, tout simplement. Vous pouvez faire, voilà. Donc on va rester Diddy Kong comme ça. Et bah on est parti, hein. Donc les menus, c'est vrai que ça fait un peu... Ouais, Nintendo à la va-vite. Nintendo 64, un peu des menus à la con, mais j'aime beaucoup. Ah... Le soleil de Super Mario Sunshine, ça manque un petit peu quand même. Hein. D'ailleurs, je vais me le récupérer aussi. J'ai récupéré quelques jeux GameCube là, tout neuf. Et je me prendrai bien Mario Sunshine. Il manque Mario Sunshine. Je vais vous faire du Mario Kart Double Dash aussi. Hein. Restez à l'écoute pour les fanas de la GameCube. Je sais qu'il y en a. Ah, voilà, la présentation du cours. Allez, Diddy Donkey versus Masiask Boo. Match en 1-7. Et je suis Diddy Kong en bas. Et on est parti. Voilà, donc j'aurais peut-être pas dû jouer en double. Ça va être un peu n'importe quoi, ça va être un peu le foutoir. Donc vous voyez sur les côtés, donc vous avez des ralentis et tout. Sur les côtés, vous avez des buses et tout. Enfin, c'est vraiment l'univers Mario Sunshine, quoi. Bien mon Ace. Et bim. Attendez, je vais essayer d'en refaire un. Non, ça passe pas. Et vous voyez, vous avez des interactions sur le terrain. Vous avez des trucs qui vont vous faire chier. Vous avez des... Vous voyez, dans la boue, si on tire dans la boue là de Mario Sunshine, encore une fois, hein, c'est tout tiré de Mario Sunshine avec les habitants de l'île Delfino et tout qui regardent. En fait, voilà, ça va être des terrains qui vont encore un ace. Mais c'est magnifique. Bim ! Voilà, messieurs, dames, voilà. Alors voilà, donc là je suis en haut, mais je peux faire start. Alors non, je peux pas faire start, ok. Et vous avez vu ? Revenez si vous avez pas vu, encore une fois. Donc là, vaut mieux pas aller dans la boue, parce que regardez, si je vais dans la gadoue, je me salis et je suis ralenti, en fait. Voilà la super attaque de Donkey Kong. En fait, ça, il y a deux super attaques. Il y a la super attaque qui fait mal, on va dire offensive, et la super attaque défensive qui va vous permettre de récupérer la balle un peu partout. Là, par exemple, on n'a pas pu récupérer ça, tout simplement. Alors, pourquoi je peux pas faire start? Ah voilà, ok. Avec Z, je peux switcher instantanément en plein jeu la caméra. Et ça, c'est pas mal. Bon, moi, mon rôle, c'est d'être devant. Donc, je vais rester devant. Oui, monsieur. Oui. Admirez la petite animation de Diddy Kong aussi qui claque des pieds. Oui, c'est un singe. Alors, vous voyez que... Bon, c'est vite le foutoir, en fait, dans les niveaux comme ça. Regardez, je les nargue, là. Alors... Si je me mets sur les buts, je sais pas exactement ce que ça fait. Ça doit gêner l'adversaire de l'autre côté. En fait, c'est tout. C'est un jeu de tennis, mais qui reste dans l'esprit Mario, fourbe un peu. On se castagne la gueule avec ce qu'on peut, avec ce qu'on trouve, quoi. Et ça, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, ça, c'est l'attaque debout. Et là, regardez, je fais ma super attaque avec LR enfoncé plus la touche frappée. Alors là, Maskas qui fait son truc aussi. Et je les ai smatchés. Allez, jeu 7 et match, c'est parfait, je comptais quitter, en plus c'est nickel. Nous sommes victorieux, messieurs dames. Alors, je vais vous montrer maintenant, là c'était vraiment pour vous montrer un terrain... Hop. Ouais, les menus, ça fait ouais un mélange Game Boy Advance un peu, bon. Je fais un tour vers les tournois, allez, on va prendre Mario en simple, par exemple. Alors, vous avez les Open du Royaume. Et les coupes, c'est des coupes en fait, comme dans Mario Kart encore une fois. La coupe champignon, donc vous entrez dans la coupe champignon. Et vous allez avoir un classement, regardez, comme ça, avec les tubes toujours dans l'univers Mario forcément. Et puis ça ressemble, il y a des petits clins d'œil à Mario Kart quoi en fait. C'est un jeu de... Mario Kart, c'est du kart, c'est de la course. Criblé de petits trucs à la Nintendo, bah voilà, ils ont voulu faire le tennis. Et franchement, c'est pas plus mal. Donc là, c'est nettement plus propre, vous allez nettement... mieux voir l'esprit un petit peu. C'est un terrain tout simple avec un 1v1 et c'est du vrai tennis. Hein. Alors, au niveau du gameplay, c'est génial parce qu'on se contente pas de frapper dans la balle. Donc là, je serre. Et regardez, le temps que la balle arrive, je laisse appuyer sur A et bim, je fais une frappe super puissante, je charge. Et regardez, j'allais dire admirer. Hein, le gros fanboy de Nintendo. Mais oui, j'assume complètement, je suis un fanboy. Ma raquette, vous voyez, plus je vais faire des belles frappes, des passes bien placées, ma raquette va avoir une auréole de... Une auréole. Ça se dit une auréole, non? Peut-être. Enfin oui, ça se dit, mais je sais pas si... Ah, attendez, je vais rester, voilà. Bref. Va avoir un halo lumineux autour de la raquette. Et là, regardez, je suis prêt pour faire ma super attaque. C'est le coup du marteau. Et en général, voilà, ça fait très très mal. Alors, cette attaque, soit vous êtes bien placé et donc vous la contrez.
Soit vous faites et vous avez la chance d'avoir votre raquette à fond pour faire une attaque défensive, une super attaque défensive, et ça va vous permettre de la récupérer de n'importe où en fait, tout simplement. Je vais vous montrer ça après, je vais essayer de lui faire un échange sympa, enfin long justement, pour qu'elle me fasse sa super attaque. Alors vous avez les balles classiques, les balles liftées, vous voyez là j'ai fait une balle liftée avec la superbe anime, et là regardez, hop, je fais l'attaque défensive. Voilà, là je la récupère de n'importe où en fait, bon elle m'allait dessus donc c'est pas très intelligent. Le CPU est pas génial, là je l'ai mis en normal, en intermédiaire, encore là c'est un mode coupe donc pour vous dire. Donc les balles liftées je disais, hop, là j'en ai fait une, hop, les balles lobées vous faites AB, AB super vite, c'est pas une touche, c'est AB, tac, ça fait des balles lobées comme ça. Si je fais deux fois la balle liftée, bon là elle fait son truc défensif, regardez moi je vais faire mon offensif maintenant. Hop, donc c'est LR et A pour l'offensif, LR et B pour le défensif. Niveau gameplay, c'est très très simple. Vous prenez le truc super super vite. Toujours les petits ralentis. Vous pouvez revoir les ralentis, mais j'aimerais bien zapper quand même. Bon, c'est pas grave, on peut pas. Voilà mon contre. Bim ! Voilà ! Yeah ! Yeah ! Ah, parce que j'avais gagné, donc ok. Donc voilà comment ça se passe. Ça se joue en 1-7, mais vous pouvez régler. Hein. J'ai gagné, et là, je prends le voilà. Donc non, je veux pas sauvegarder, on s'en fout, on se casse. Donc c'est un système vraiment de compète tout con quoi. Voilà comment se déroulent les coupes dans ce jeu. Et je vais tomber contre Daisy, mais on va pas continuer. Pas de temps de chargement, mais bon ça... Attendez, j'essaie juste de faire un... Ah et bah ! Bon. Est-ce que je peux faire start ? Voilà, parfait. On peut régler la caméra, écoutez ce bruit ! Ah si c'est pas bon ce son là, ce son du stick. Alors voilà pour le mode tournoi, jeux spéciaux. Alors je vais vous montrer vite fait jeux spéciaux, allez on va prendre Koopa. Alors artiste sur le cours, en fait vous êtes sur un espèce de terrain, vous voyez l'aperçu. Et vous devez, il y a des balles de couleurs qui arrivent sur vous. Et vous devez les placer au bon endroit pour peindre correctement les bonnes couleurs au bon moment, au bon endroit de la, je sais pas m'exprimer, de la peinture quoi. Vous devez refaire la peinture correctement. Par exemple, voilà, si ça marche pas, si les moustaches sont bleues, quoi. Ensuite, tennis terreur. Donc ça, le but, c'est de frapper le bon fantôme, je crois, qui vous désigne. Un truc comme ça. C'est inspiré de... Donc ça, c'est inspiré de rien du tout. Enfin, de Mario Paint. Ça, c'est inspiré de Luigi's Mansion. Il me le faut, d'ailleurs. J'arrive pas à le trouver. Il est assez rare, le jeu, en boîte. Morpion solaire. Donc ça, c'est avec Sunshine. Pas vraiment ce qu'il faut faire là, je pense qu'il faut éclater les... Ah non, il faut nettoyer le cours, voilà, pour avoir un maximum de soleil, je pense que c'est ça. Défi des chompes, on va le faire après, parce que je sais pas ce que c'est. Ça, c'est de retourner les cases au bon endroit et tout. Duel avec le Mega Bloops, donc Mario Sunshine. Mecha Bowser en furie. Bon, on va faire Mecha Bowser en furie et puis celui d'avant, là. Donc voilà, en aluminium, c'est même pas du bronze, c'est de l'aluminium. Alors voilà, pour vous dire que c'est pas un jeu de tennis tout con, bête et méchant, c'est vraiment, il y a des petits jeux comme ça, des petits mini-jeux, regardez, ça a rien à voir là, on n'est plus sur un cours de tennis, là c'est Koopa face à un Mecha Bowser, regardez, je me déplace dans la carapace. Voilà, alors le but c'est de lui renvoyer les bombes dans la gueule en fait, et là c'est vraiment un jeu d'aventure, c'est n'importe quoi en fait. Vous voyez, j'ai une barre de vie, pour vous dire, c'est plus du tennis, j'ai une barre de vie, j'ai ma raquette pour envoyer, mais c'est plus du tennis, là c'est un jeu complètement, on dirait du Mario Party en fait. Ouais, je peux lui balancer des bombes comme ça, ou lui renvoyer ses bombes, je pense que ça l'éclate plus. Et bim! Là j'envoie une grosse boule. Enfin bon, c'est du gros foutoir. C'est vraiment pour se défouler, je quitte parce que bon... J'avais jamais fait ça, hein, mais pour vous dire quoi, c'est du gros n'importe quoi. Et on va enchaîner avec... Eh ben parfait, comme ça je vous montre encore un perso, voilà, bébé Bowser. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'était quoi que je voulais vous montrer? Tennis Terreur, je voulais vous montrer, mais Défi des Champs plutôt. Voilà, ça je vous montre pas tout, ça vous laisse un petit peu la surprise pour ceux qui n'ont pas encore testé le jeu. Rétrocompatible, oui, enfin à part pour les dernières Wii, parce que Nintendo a enlevé la rétrocompatibilité, mais vraiment, faudra m'expliquer pourquoi. Alors, je suis tout à go... Non, maintenant je suis d'accord. Alors, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. En fait, faut éclater le chomp. Alors, ils doivent appuyer sur A. Ah ouais, ok. Et puis, faut appuyer très vite sur A pour... Je comprends rien, hein, mais bon.
Ok, donc moi je suis troisième, donc je fais pas ce qu'il faut, je pense. Faut tapoter A. Faut pas se faire bouffer par le chien. Et faut... Ah d'accord, ok, j'ai compris. Faut pas se faire bouffer par le chien et faut le renvoyer là où il est, en gros. Ok. Ouais, bon. C'est pas trop ma tasse de thé, les petits défis comme ça, mais bon. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu tout, hein. On va finir sur un match d'exhibition. Prendre Luigi. Allez, en simple. Contre Bowser. On est à 15 minutes en plus, voilà. Allez, on va se mettre en expert. Pour terminer. Bon, Jungle DK, il est pas trop mal. Il y a des crocodiles qui vont font chier. Megablue, je suis pas fan. Usine de Wario non plus. Pas ce défi, on l'a vu. Manoir de Luigi, pourquoi pas. Je me ferais bien hein, sur du terre battue, moi. Il y a des cours à débloquer, il me semble. Alors, ce qu'on va faire, on va finir comme ça, regardez. Ouais, sur du gazon, même. Non, allez, sur du terre battue, ça fait plus... Et on va jouer en défi des anneaux, en fait, faut tirer entre les anneaux et ça vous fait plus de points. Mais nous, on va faire directement bataille d'objets. Là-bas, c'est bon. Histoire de vous montrer ça. Alors après, il y a tout qui suit, c'est même plus à préciser. C'est de l'officiel Nintendo, donc il y a tout qui suit. Hein. Bande sonore, graphisme, gameplay, jouabilité, tout. Tout va très très bien. Alors voilà. Vous avez radé sur le filet, c'est très bien pensé, les objets. Et quand vous visez les objets, pardon, vous avez tout simplement des objets, voilà. Et vous les lancez, je ne sais pas vraiment avec quoi. Merde, quel con, j'ai même pas... Je rate plus la balle, au bout d'un moment c'est un bordel. Vous les lancez avec A, je crois. Oui, en fait voilà, ça se lance avec vos prochaines frappes, tout simplement. Donc ça fait les mêmes sons et tout de... Oula, attention, là il s'énerve. Ah merde. Je voulais faire mon défensif. Ah, donc là, il y a plein de bananes pour l'instant. Alors, en armes, il n'y en a pas des masses. Hein. Il y a les plus classiques, en fait. Voilà, la carapace. Donc là, ça lance plein de carapaces. Ça le fait tomber, ça le ralentit, mais ça le tue pas non plus pour autant. Je me fais exploser, hein, mais pas grave. On est en expert. Voilà, il me refait sa super attaque. Voilà, là, je fais la défensive. Regardez, ça la rattrape automatiquement. Avec toujours Luigi qui est mis en avant avec son jeu, parce qu'il n'y a eu qu'un jeu de Luigi, Luigi's Mansion, qui est d'ailleurs énorme. Et encore une fois, j'aimerais bien vous le faire, Luigi's Mansion, pardon, faut juste que je le trouve en fait. Parce qu'il y a encore le Luigi's Mansion qui va sortir sur GameCube, sur 3DS, pardon, le Luigi's Mansion 2, hein. Rien que ça, le 2 quoi, c'est un peu prétentieux, enfin prétentieux. Vous voyez là, regardez, je l'ai shooté avec une rouge, du coup il a pas pu récupérer la balle quoi. Alors, qu'est-ce que fait le champignon? J'ai pas bien compris. Ah! Regardez, je peux la rattraper avec mon coup. Mon super aspirateur. Là, je suis, disons, dans une merde noire. Et j'ai quand même réussi à... Ah non! Ah, j'y étais! Voilà, jeu Bowser. Bon, on peut se quitter là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-là vous aura plu, Mario Tennis sur GameCube. Bah c'est du tout bon quoi. Y'a rien à dire. Merde. Allez, c'est pas grave. Non! Ah il m'a fait un ace de fou de la terreur du feu. Non! Je fais n'importe quoi! Allez, ciao ciao, salut.